vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc c'est dans le jour de sa vengeance que ces choses se passent. Afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'éternel, pour servir à sa splendeur. Il y a des mauvaises herbes que si on n'enlève pas, la splendeur de l'arbre ne va jamais se manifester. Suis-moi. Follow me. Verset 4 maintenant. Il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Des étrangers seront là pour faire perdre votre petit bétail. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'homme. On dira de vous que vous êtes au service de notre Dieu. Est-ce que tu as encore il dit, vous, Ayama, vous mangerez les ressources des nations. Vous vous honorerez de la gloire des pays. Au lieu de la honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, vous serez joyeux. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Lorsque ton jour de vengeance se lève, ta joie devient éternelle. Amène comme le tonnerre le Dieu de vengeance. Amen. Est-ce que tu es ici? Amen. Assieds-toi. Dans Isaïe 66, il est dit, in Isaiah 66, it says, à cause de la puissance de ta droite, partie du verset 1, oh Dieu, tes ennemis te flattent. Oh God, your enemies. Dans le psaume 45, partie du verset 7, 45, verse 7, il est dit, au jour de sa puissance, le peuple est volontaire. The day of his power, the donc c'est quand la puissance de Dieu qui soumet les ennemis de destin se manifeste que les gens deviennent volontaires. Il y a des gens qui ne veulent rien te donner. Ils n'ont aucune volonté de faire quoi que ce soit de bien en ta faveur. Parce que certains ennemis de destin sont debout.